Et yo tout le monde, c'est Anar Games. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau épisode de Wolfenstein The New Order. On touche à la fin du game. La fin du jeu, on y est. Allez les gens, c'est ce qu'on va faire. Donc l'enregistrement est lancé. Ouais, il possède des sauvegardes automatiques. T'inquiète, on connaît tout ça, on connaît. Et après... Ok. Je pensais que c'était un mur, mais en fait non, c'est un ascenseur, tu vois. Enfin, un ascenseur où on va être noyé, tu vois. Ok. On était là la dernière fois, si on avait vu ça, je vous l'ai laissé. Oula. Fais attention en rejoignant le canon. On approche rapidement. Et les courants seront sûrement très forts. Ouais, t'inquiète, on voit ça, les courants. C'est déjà assez fort, les courants. Ok. Hop là, X. C'est bon, on prend le canon. Il faut que je fasse quoi avec le canon? Encore. Telle est la question. J'attends. 50 mètres. Ça doit être ça la base du gaucher. Oh les tours et tout, mais oh, c'est méga stylé, on dirait Star Wars le truc. Là, on l'a démonté, sa base. On va aller voir ce qu'il y a en dessous. Par contre, il faut que j'aille vers où ? Ah, je crois bien. Ah, il y a une échelle. On y va, les gens ? Hop là. Je viens te chercher. Terroriste, parasite. Vous êtes venu libérer les vôtres ? Eh bien, lorsque vous traînerez vos pieds dégoûtants dans ces salles, souvenez-vous que vous offenserez un homme qui a bâti une civilisation créée pour écraser toutes les autres. Souvenez-vous-en bien, surtout lorsque je lâcherai les hommes machines. Ok, les gens, donc là, c'est un peu les carabistouilles parce que j'ai un peu gaspillé une grenade pour rien, hein, voilà. Et on est en train de se stuff, on se stuff un max là. Ça se voit que c'est la fin du jeu, hein, vu tout le stuff qu'il nous donne. On reprend. Voilà. Suivez-vous, général. C'est le moment décisif. Tu vois, même lui, il dit que c'est le moment décisif. Oh ! Trésor ! Parfait ! Petit trésor là. Ce côté-là, il est que dalle. Dégage, tu vois. T'as rien demandé. Ouais, je te jure, on dirait Star Wars. Genre, on dirait les gardes et tout ça. Mec, c'est. Oh, mec. C'est tellement classe chez le boucher. Je veux tellement que ça soit ma maison. Ah, 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 ah. Il me tire de là. Ta mère, ta mère. Ah, ils sont résistants par contre, eux. Je te jure. Équitip. Oula. C'est bien cuit. Je peux pas passer. Passer par l'autre. Oh le bâtard. Putain mais hé. Il est où? C'est encore barré? Ah merde. Oh, un dossier. Parfait. Dites-leur
Mais lui, il fait trop mal, il est trop chiant, quoi. Non! Mais que ça commence bien la fin, on meurt déjà, quoi. On dégomme tout le monde, mec. Oh putain! Sophie! Vente. Ok, on va réussir. Oh putain! Mec, y'a tout! Y'a tout quoi! Putain, y'a tout qui me spawn dessus quoi! Putain, mais lui, je l'avais oublié! Je lui en ai foutu une. Blindage, je sais pas ce que c'est blindage, mais un blindage, ok. Recharge. Et lui, je sais qu'il peut pas passer par là. J'ai perdu. Vas-y, go recharger ça avant qu'il arrive. Comme ça, on le dégomme avec ça et puis c'est fini pour lui en fait. Alors, oui, ouais, tu fils de schlag. Il est là. Mais je suis trop débile dans ce jeu, je suis con. Ne voit rien du tout. Ok. Non. Je sais qu'il reste un gros robot là, mais je sais pas où il est. Il est là. Nique tes morts. Ok, c'est parti, vas-y, avance. J'attends juste qu'il avance et pam. Allez, viens, avance. Lui, c'est fait. C'est bon, lui, c'est fait, on l'a enculé. On récupère tout. Je vais fouiller un peu la zone pour récupérer un peu de tout, tu vois. On va y aller. Ok. Putain, c'était mis sur l'infiltration. Je pensais qu'ils nous avaient cramé. Il y a encore un gros robot là-bas. Ah non, c'est un gros. On l'a buté. Ah, il y en a un autre là-bas. Lui. Hein, quoi, on a plus de mun. C'est lui qu'on en a eu. Ok, t'es prêt? Lui, on l'a désingué, voilà, ça c'est fait. C'est fait. Vas-y, viens, au pire, on va les recharger. Tant qu'on y est, on va recharger. Et on va désinguer l'autre, hein, ça sera plus simple. Hop là. Voilà. Ça c'est fait.
Il y en avait un même là, tu vois, de recharge. Allez, paf. Je perds ça. Et... Oh putain. J'ai pas eu. Merde. Attends, ça c'était là où on venait? Ouais, ouais. Parce que j'ai vu des trucs. On va aller essayer de recharger. J'ai vu des trucs là. Je sais pas à quoi ça sert de monter par là. On y va les gens. Pour l'instant, tout se passe comme prévu là. C'était sûr les putes. Par contre, j'ai juste mal avec ça. Ça visse pas en fait cette merde. Par là, c'est libre. Comble. Et pas le comble, putain! Piège. On l'a fumé. Par contre, j'ai plus de munitions avec cette merde. J'aimerais bien les recharger. Parce que je sais qu'il y a une recharge là-bas. Non, ta mère. Putain, puis j'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Voilà, ça c'est bon. Donne-moi ça, j'ai besoin de recharger. J'ai entendu le bruit de pas, dès qu'il est arrivé, pam pam pam, on l'a fumé. On va charger ça aussi. Hop là, on va prendre ça. Alors, on descend sur moi. Fuis! Dégage ça! Tard! Il me refaut ça. Dégage. On recommence. On dégage. On recommence. Il comprend pas lui en fait, tu vois. Attends, on a plus une mine. Merde. Je vais reprendre ça. C'est quoi au fond? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, il est toujours vivant! Ouais, insane! D'accord. Alors les gens, faites-moi les malins maintenant. Hein, mon enculé. Oh, bah je vous ai un petit peu contourné. Hey, bonjour toi.
Ta mère, ça. Dégage, dégage, juste dégage. Je sais pas où il est le mec. Hein. Eh mais toi. Ah non, d'accord. Mec arrêtez de me shoot par en haut quoi. Moi je juste une. Ok, il est en haut, il est en haut, il est en haut, il est en haut, sur le sol. On a encore des chargeurs. On va monter, on va monter, on va les enculer. Hein, voilà, voilà. Voilà, connard. Voilà. Ah, bah d'accord. Voilà. Là, il n'y a plus personne normalement. Vas-y, flemme de la recharger. Hein. Elle est déjà assez rechargée comme ça. Ouais. De ce côté ou de. Ah non, il n'y a pas de ce côté-là. A mon avis, il va y avoir un ennemi qui va pop en direct. Ouais. Ah non, il n'y a personne. Bah, je me suis fait une fausse idée, il n'y a personne en fait. Le sous-marin est en position. Le plan se déroule comme prévu. Ouais. Tout comme prévu, mais. Meuf, plutôt. C'est un menard. J'ai percé les trous et j'ai regardé. Oh non. On vient de se faire shooter la. Shooter la drogue. De se faire shooter à la drogue par contre là. Ouf. La suite annonce plasmine de synthèse va inhiber votre système nerveux bloqué. Vous faites il vous sera de plus en plus difficile de bouger. Et voilà. Ich habe ein Geschenk für dich, mein Schatz. Ach, wirklich? Ich liebe Geschenke. Zeigst du es mir? Dir zeige ich doch alles. Darf ich ihn für dich aufschneiden? Cette femme est toute ma vie, vous savez. Toute ma vie. Bah alors meurs. Voilà, une anomalie dans mon cortex cérébral, qu'est-ce que tu me dis, mon gars? J'avoue que le mec, à force de se prendre des balles, je crois qu'il doit avoir quelques balles pensées là-haut. Toujours bizarre, mais par contre, c'est chaud.
salut, Walt. Moi aussi, d'accord. Jusqu'à ce qu'elle soit ouais, en sécurité. On est d'accord. Par contre, genre, c'est pas ça, mais c'est que mec, t'as juste un petit couteau, tu vas pouvoir rien faire en fait. Genre, ils te mettent un gros robot, c'est la mort. Hein. Nous a libéré des cellules. On a cru qu'on devrait s'évader tout seul. Content de te voir, Blazkowicz. Tu nous sauves encore. Sortons vite d'ici, Kinderley. Allez, Lloyd, Lloyd. Aïe, aïe, aïe. C'est moi ou il l'appelait Kimberley? Oh, bon sang. Cet ascenseur n'est vraiment plus tout jeune. T'as un petit trésor? Allez, un petit trésor, on va enculer. Ouais, t'inquiète plus, hein. Allez, par ici, Blazkowicz. Oh, t'as sort. Blazkowicz, un coup de main. Ok. Tiens. T'inquiète pas, on va te sortir de là. Et on s'en ira loin d'ici. Je suis sûre qu'il existe encore des endroits où on peut vivre heureux, sans avoir peur. Ouais, moi aussi j'y crois. Mais ce sera pas pour nous deux. Tiens donc, que faites-vous là? Un vieil ami me rend visite? J'ai reçu de visiteurs comme vous depuis des lustres. On s'est déjà rencontrés, mais aujourd'hui ce sera la dernière fois. Capitaine Blazkowicz. Ah, ça, je dois reconnaître que vous êtes persistant. Je me souviens de votre ami. Son souvenir est très vif dans ma mémoire. Et vous, vous vous en souvenez? Dans une carrière comme la mienne, il est facile d'être tenté d'éprouver de la compassion. Mais nous devons apprendre que ce n'est qu'un instinct inutile. Impropre à la race des maîtres. Or, or, auf die Platte! Les gens comme vous, vous n'en répondez que mort et destruction. Vous devriez songer au fait que nous finirons tous jugés. Non pas pour ce que nous avons détruit, mais pour ce que nous avons créé. Wyatt. Est-ce que vous saisissez la splendeur de cette chose? L'intelligence d'un cerveau humain, littéralement fusionné, avec l'efficacité et la soumission de la machine. Oula. Homme machine, nettoie tout ça. Où je sors de là?
Ok. Aïe, enculé. Bata. Oh le bâtard, il m'a volé mon arme. Ouais, mais il va moins de choses. J'ai pas de vie. Pas d'armes en fait, genre c'est un petit peu problématique, genre niquer la grenade. J'en ai plus. Et où c'est ça? Ok. Wyatt, t'es là-dedans. Ok, c'est parti mec, on va le désinguer, oh mec. Hein? Mais si je peux ni tourner à droite ni tourner à gauche, comment je l'arrête? Ah, je peux viser ça? Ce bazar par contre. Go. Yo. Ah merde, merde. Putain, dommage. On a détruit ça. J'ai détruit ces deux trucs là.
Après, par contre, je sais pas ce qu'il faut faire. Hein. Allez. Je sais pas ce qu'il faut faire là, mais. Ouah, mais. Il préchote mes coups, quoi! Il me préchote mes coups! Les gens, en fait, fallait juste. Non. Je vous aurai enfin mis à genoux et vous forcerai à vous rendre. Fallait juste lui envoyer une grenade. C'est tout. C'est tout. Non, mais que la blague. Moi, j'aurais pensé qu'on aurait monté là-haut, qu'on aurait niqué le truc, ensuite qu'on serait revenu, qu'on aurait pris le robot, qu'on aurait fait bataille de robot contre robot, tu vois, ça aurait été un truc c'est. En fait, non, fallait juste lui jeter une grenade et c'est fini. Hein. Ça ne va pas vous sauver. Ouais. Attends. Ok, on va prendre. Là, on est en enregistrement, logiquement. Oui. Je sens que c'est pas fini. Hein. Gros malin. Ah, ça joue les. Aïe. Ah, mais ça fait mal les gros malins quand même. Oh mais mec, il fait trop mal le. Il m'a tout shot le truc. Est-ce que je suis en. Aïe. Je suis mort. Venir quand même. Nick c'est mort, il peut venir. Oh Nick c'est mort. Je savais pas mec, je pensais pas mec, il y avait un plafond et tout, il fait 15 mètres. Oh non. Non mec, on avait putain de bien rêvé. Oh dommage. On l'avait niqué il y a 2 secondes. Oh non. En fait, je sais pas comment faut le buter, en fait, genre, on a aucune indication, au bout d'un moment, le boucher, il est un peu chiant, tu vois. Ah, mais, je ne sais même pas par quoi je meurs. Son feu, on l'entend pas, on le voit pas. Mec, c'est insane. Je ne sais même pas par quoi je meurs, il a même pas tiré. Putain. Oh, l'enculé. Je peux pas circuler. Je peux rien faire, je peux pas me barrer. Je suis désolé, ça me cible. Ah mais plus de balles. Ah ouais. Je meurs par je ne sais pas quoi.
secours. Très bon choix. Il est splendide. Compte jusqu'à 4. Inspire. Compte jusqu'à 4. Expire. Jamais je ne m'inclinerai devant vous. Très bien. Je vous ai très près de vous. Puissante se dresse. La flamme de sa torche est faite de la capture d'un éclair. Et son nom est Mère des Exilés. Donne-moi tes pauvres, tes exténués, qui en rang pressé aspirent à vivre libre, le rebut de tes rivages surpeuplés. Envoie-les-moi les déshérités. Que la tempête me les rapporte. Blasco, tu me reçois? Est-ce que je peux tirer? Tu peux. Ok, les gens. Oh, ça finit là-dessus. Si vous savez le boucher. Ah là, il va y avoir du montage, hein. Il va y avoir des coupures, ne vous en faites pas. Si vous savez le boucher, combien de temps j'ai mis pour le vaincre. Enfin, je parle pas de la première partie. La première partie, vous l'avez vu, je l'ai mis en 30 secondes pour la première partie pour le vaincre. Ouais, alors, normal. Pour la deuxième partie, mon gars. J'ai mis à peu près une heure pour l'enculer. Une heure. Et j'ai gagné, franchement. Et j'ai gagné par pure chance, en fait, genre. Parce qu'en gros, je me suis barré et genre, j'avais plus de mune, j'avais plus de bazooka, j'avais plus rien. Je me suis dit, je vais encore perdre, tu vois. Je vais encore perdre. J'avais plus de mune de bazooka à la fin, j'étais mort, en fait. J'avais plus de mune dans mes deux pistolets. Bah, c'était mon fusil à pompe et mes fusils de précision, mais ça fait strictement aucun dégât. Et là. Je le vois, bah, du coup là je me suis dit, bah ça va être encore, c'est encore perdu, tu vois. Et là je le vois, il se met à genoux. Et là je me dis, attends, il n'y avait pas ça avant. Il s'était pas mis à genoux avant. Et là on voit. Insane! Il tombe. Et là je vois le petit logo. Où faut aller, faut interagir avec. Je me suis dit. Je fonce, je laisse même pas le temps de se relever, je cours, je tape mon plus grand speedrun. Hop, X. Et on l'a fini. Par contre, il y a un 2, il y a un 3. Enfin, il y a un 2 et il y a un 3. 3, c'est une autre histoire parce que c'est les filles de Blazkowicz, tu vois. Il y a un avant, il y a un moins 1 en gros. Ou en zéro si tu veux. Et peut-être qu'on va faire les autres si je les trouve un jour. Pour l'instant on a fait le premier de date qui est sorti. Donc les autres, le Old Blood, le Young Blood, le New Colossus, sont d'autres jeux Wolfenstein qui suivent l'histoire. Alors franchement c'était tout un honneur de le faire en vos compagnies. Merci de tous vos messages de soutien, de tout ça, parce que j'en ai reçu plein, peut-être pas dans les commentaires, mais j'en ai reçu plein des messages. Quoi, ce jeu était grave bien, fallait continuer.
Franchement, merci à tous ceux qui ont suivi ce let's play. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu. Et on se retrouvera pour un autre let's play.